I
Ben écoute, j'espère que ça ira mieux. Hein. Mais t'as dit que c'était sûr que je réussirais à m'en sortir en restant ici. Hein. Et je travaille beaucoup en plus. Et tu crois que je devrais arrêter ce travail? Moi, c'est très important de pouvoir rester ici et de réussir. Ben, à avoir ce poste, à continuer de travailler pour NTU et d'aller vivre à Singapour. Le travail, ça sert à rien. L'acupuncture, ça sert à rien. Je ne sais pas, en tout cas, la dermato de Singapour, elle m'a dit, à qui lui reparler en disant que je retrouverai, elle m'a dit surtout, t'augmente pas, tu restes à un comprimé par jour, parce que sinon tu risques de prendre des effets secondaires. Bah, j'ai quand même divisé par 4 depuis le mois dernier, depuis. Le semestre dernier. Et même le, comment il s'appelle, celui qui m'a donné les trucs pour la bouche, il disait que... Il disait, tu peux pas l'arrêter comme ça. J'avais essayé de l'arrêter pendant 2 semaines et je me suis remis à transpirer, c'était une erreur. Mais en même temps,
je vais pas. Moi, je suis bien ici, et surtout, j'ai envie de pouvoir continuer. Autour de 90. Non. Je pense que ça va pas finir par aider au bout de quelques semaines. Non, juste. Mais tu crois qu'il continue à rester seul comme ça, ça peut pas s'améliorer? Mais j'ai pas envie de. Non mais là je vais arriver à la station de bus, je dois te laisser. Mais non, j'arrive à la station Bounelay, là je vais descendre. Demain je vais parler au docteur André, lui il est pas très inquiet. Je pense pas que ce soit dû à l'alimentation, mon problème. Je crois que c'est du stress.